could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire le point sur le produit de chez Rihanna, c'est-à-dire le body lava que vous avez vu sur ma chaîne et que vous avez vu parce que j'ai fait un post sur mon Instagram pour vous donner mon avis final sur ce produit que j'utilise depuis quelques jours et j'ai été extrêmement déçue parce que ce produit coûte 46 euros chez Sephora et aussi sur le site internet de chez Fenty. Et je suis déçue parce que j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais, pour faire en sorte d'économiser mes sous, mais malheureusement je n'ai pas pu faire grand chose parce que j'ai essayé par exemple de le mélanger avec mon fond de teint, j'ai essayé de le mettre comme ça, comme highlighter, j'ai essayé de le... Et puis je me suis dit, je vais être sincère avec les filles parce que si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez déjà acheté, déjà vous pouvez me dire dans les commentaires si vous l'avez déjà testé, que ce que vous, vous pensez personnellement avant même de voir ma vidéo. Mais si vous ne l'avez pas encore testé, il faut réfléchir quand même deux fois avant d'aller investir dedans parce que c'est quand même 46 euros et les 46 euros, on ne les trouve pas par terre. Déjà, je vous avais dit sur ma première vidéo qu'il y avait cet effet collant que je ne supportais pas. Je pense que vous vous rappelez la semaine dernière où il faisait très très chaud sur Paris. Du coup, je me suis dit, écoute Sakina, tu as ton body lava comme Rihanna, tu vas le mettre et puis tu vas faire la belle, etc. Je l'ai pris sur moi, je l'ai mis et c'était désagréable, ça ne séchait pas, c'était collant, c'était toujours cet effet collant. J'étais pas en l'aise, je ne suis pas en l'aise avec ce produit. Personnellement, dans la revue que j'avais fait sur ma chaîne, je vous avais déjà dit que le produit n'était pas, en fait, c'était pas intéressant. Mais je me suis dit cette fois-ci, quand je teste un produit sur la chaîne, je viens vous donner la suite de l'histoire. Après quelques temps et après utilisation, parce que je me rappelle encore la gamme de Rihanna quand Rihanna a sorti toute sa gamme, tout le monde a utilisé et on était tous là, oui mais c'est super, on achète tout ça. Et au bout de quelques temps, tout le monde revient en disant, oui mais les produits sont pas ça, ils sont pas ça, alors que on a pas encore eu cette réflexe de dire, quelques mois après, est-ce qu'on peut venir donner des revues pour dire vraiment si c'est des bons produits ou pas. On n'a pas pensé à ça. On est tous partis sur cet effet de mode. Oui, les produits de chez Rihanna, ils sont top. Ils sont comme ça, il faut les tester, etc. Moi, je ne suis pas déçue. Personnellement, la gamme de Rihanna, le fond de teint, je l'utilise toujours. Les autres produits, je les utilise toujours. Je ne suis pas déçue. Je ne suis pas du tout déçue de la marque de Rihanna. Mais par contre, le body love, je me demande pourquoi ils ont fait en fait ce produit là parce que vraiment c'est pas, en fait pour moi c'est pas utile hein. Ça se fait que pour vous c'est peut-être utile, mais pour moi rien à faire. Pas la peine les filles d'aller gaspiller vos 46 euros pour acheter un produit que vous n'allez pas du tout utiliser, que vous allez vous sentir, en fait c'est vraiment désagréable, l'effet collant et tout, c'est désagréable. Si vous voulez avoir cet effet un peu glossy, cet effet un peu brillant sur le décolleté, sur le côté, etc., je vous conseille tout simplement d'utiliser des highlighters, d'utiliser des highlighters liquides, parce qu'il existe dans le marché des highlighters liquides qui sont encore moins chers que celui de chez Rihanna. Moi je sais que j'avais acheté il y a très très longtemps chez Yves Rocher des highlighters liquides et je pense qu'il y en a beaucoup, en fait beaucoup de marques développent ce système de highlighter. Je vous conseille tout simplement de tester ce système là peut-être il va vous coûter moins cher que le body lava de chez Rihanna. En tout cas, c'est ce que j'ai eu envie de partager avec vous, de vous donner vraiment mon avis final par rapport au produit. Et au passage, je vous fais gagner ce produit dans mon Instagram. Je vous fais un petit jeu concours. Pour ça, il faut être abonné à mon Instagram. Il faut être abonné à ma chaîne YouTube et me suivre aussi sur ma chaîne familiale. Et je vous fais gagner ce produit, à savoir que je l'ai déjà utilisé. Donc, si vous voulez l'avoir pour le tester, si jamais ça ne vous va pas, vous pouvez le faire gagner. En fait, vous pouvez le donner à votre tata, vous pouvez le donner, en fait. Mais en tout cas, moi, je vous le fais gagner sur mon Instagram. Je vous invite à aller dans mon Instagram pour aller participer au concours pour pouvoir partir avec le body lava de chez Rihanna, de chez Fenty, tout simplement parce que pour moi il ne me sert pas en fait grand chose. Je ne peux pas l'utiliser puisque j'ai tout essayé
rien à faire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on va essayer vraiment sur cette chaîne de changer de format et d'être plus sincère parce que j'ai envie vraiment de m'approcher plus de ma communauté. Parce que je me dis que si je me maquille sur ma chaîne, c'est avant tout ma communauté qui va voir comment je me maquille. C'est avant tout eux qui vont aller chercher ces produits-là, voir si ces produits-là, ils leur vont ou pas. Donc, j'essaye vraiment d'être sincère avec vous et de vous faire moins dépenser parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, les influenceurs, on a tendance à vous dire « Oui, ce produit, il est bien », alors que peut-être c'est pas vraiment utile et où vous pouvez, ou même peut-être que vous l'avez déjà chez vous, vous pouvez alterner par quelque chose que vous avez chez vous parce que tout ça c'est des effets mode, que ce soit les palettes, les machins, tout ça. Tous les jours les marques produisent des produits pour qu'on achète parce que leur but c'est de nous faire dépenser et moi maintenant je vais essayer de vous donner des alternatives par rapport aux grosses dépenses que les marques veulent qu'on fasse. Tout le temps, en nous amenant tout le temps des nouveaux produits. Donc celui-ci, l'alternance que je vous donne, c'est tout simplement, si vous avez des highlighters, moi je sais que, par exemple, j'ai ce highlighter poudre de chez la marque Marlene Moore, fait quelque chose comme ça, que j'arrive jamais à prononcer son nom, je ne comprends même pas. Donc il est comme ça, il suffit juste de prendre et de mettre sur toi, bon, vous n'allez pas avoir le même effet que si c'est highlighter liquide, mais au moins vous pouvez avoir quelque chose. Et après vous avez aussi plein hein, dans le marché, il y a plein, vous pouvez faire plein de choses avec. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo où j'ai fait la revue de chez Rihanna, le Body Lova. Et je vous fais plein de bisous les filles et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ça tourne. Voilà. Oh